La famille du chef est très nombreuse. L'un des grands chefs de Banjn, Kamgaï, avait plusieurs dizaines de femmes et presque 250 enfants. Depuis sa mort en 1975, sa succession a été assurée tour à tour par ses fils. Fotu Kamga, technicien d'agriculture à qui on doit la construction du musée et du palais moderne, il est mort tragiquement d'un accident de voiture, loin de son royaume, après avoir pris une trentaine de jeunes épouses. Ni Kamga, administrateur civil et fin danseur, il est l'initiateur de la semaine annuelle de fierté. En Zem, des Banjn, il avait environ 60 épouses, dont les veuves de son frère Fotu Kamga. Actuellement Jomo Kamga Honor, ingénieur des polymères, il s'attelle à reconstruire le patrimoine détruit par un incendie juste après son accès au trône. En plus des nouvelles épouses, il a la responsabilité de prendre les jeunes veuves de ses prédécesseurs en signe de continuité. La famille du chef est très nombreuse. L'un des grands chefs de Banjn, Kamgaï, avait plusieurs dizaines de femmes et presque 250 enfants. Depuis sa mort en 1975, sa succession a été assurée tour à tour par ses fils. Fotu Kamga, technicien d'agriculture à qui on doit la construction du musée et du palais moderne, il est mort tragiquement d'un accident de voiture, loin de son royaume, après avoir pris une trentaine de jeunes épouses. Ni Kamga, administrateur civil et fin danseur, il est l'initiateur de la semaine annuelle de fierté. En Zem, des Banjn, il avait environ 60 épouses, dont les veuves de son frère Fotu Kamga. Actuellement Jomo Kamga Honor, ingénieur des polymères, il s'attelle à reconstruire le patrimoine détruit par un incendie juste après son accès au trône. En plus des nouvelles épouses, il a la responsabilité de prendre les jeunes veuves de ses prédécesseurs en signe de continuité. La famille du chef est très nombreuse. L'un des grands chefs de Banjn, Kamgaï, avait plusieurs dizaines de femmes et presque 250 enfants. Depuis sa mort en 1975, sa succession a été assurée.